Alors, le Livestock Content, c'est un produit, un biofongicide qui est destiné à lutter contre plusieurs espèces de sclérotinia. Alors, c'est un produit qu'on a récupéré, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, un produit qu'on a récupéré de chez Bayer, qui était sous le nom Contence, qui était déjà commercialisé par Bayer. Et donc, on l'a récupéré chez l'Allemand il y a 2 ans maintenant, et on l'a intégré dans notre gamme Lalstop. Donc, comme Frédéric l'a dit, notre gamme Lalstop, c'est toute notre gamme de notre marque ombrelle pour tous les biofongicides. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré la marque ombrelle aussi sur ce produit-là. On a fait évoluer donc la marque en Lalstop Contence. Voilà. Alors, le produit en lui-même est exactement le même, la formulation la même, l'usine de production la même et les gens qui le produisent les mêmes. Donc, l'Allemand aussi a acquis l'usine de production en Allemagne, à Wismar, qui fabrique le Contence. Voilà, donc en niveau produit, rien n'a changé. Alors, qu'est-ce que c'est l'Alstop Contence? Donc, c'est un biofongicide de biocontrôle pour un usage au sol. Donc, on est vraiment sur un usage application au sol. Et l'objectif principal de ce produit, c'est de réduire l'inoculum de sclérotinia au niveau du sol. Donc, c'est le seul produit sur le marché à pouvoir faire ça, à réduire l'inoculum du sol, à détruire donc les sclérotes qui sont la source de contamination de sclérotinia au niveau des cultures. Alors, il est utilisable, bien entendu, sur une grande variété de cultures, avec une homologation au Canada qui est très très large. Donc, il est utilisable aussi bien sur les cultures maraîchères, canola, soya et les légumineuses. Donc, on a une large spectre au niveau des cultures. Et l'efficacité produit a été prouvée maintenant depuis de nombreuses années. Donc, on est vraiment sur un produit connu, reconnu au niveau de son efficacité. Donc, on arrive avec des applications de contence sur une rotation à éliminer 80-90% des sclérotes qui ont été touchées par le produit, si l'application se fait correctement, l'incorporation se fait correctement au niveau du produit. On va revenir sur ces points techniques par ailleurs. Voilà, donc un produit très efficace sur les sclérotes de sclérotinia. Au niveau caractéristique du produit, donc on est sur un champignon, donc c'est un Conitorium minitans, alors c'est une souche donc homologuée. Donc particulière, donc la Cone M9108, voilà, donc de ce champignon-là, donc un champignon pur au niveau de sa composition. Au niveau de sa concentration, donc on est à plus de 10 puissance 9 spores viables par gramme de produit, donc on apporte énormément de spores par gramme de produit. On est sur une formulation WG, donc facilement utilisable, dispersible dans l'eau. Et au niveau de sa conservation, donc c'est un produit qui a une longue conservation à 2 ans, à condition qu'on le stocke au froid, donc à température 4 degrés. La congélation est aussi possible à moins 18 degrés avec la même conservation qui est de 2 ans. À température ambiante, la conservation est beaucoup moins longue. Donc là, on est sur quelques semaines à 15 ou 20 degrés. Donc, une fois que le sachet est mis à température ambiante, bien entendu, l'utiliser le plus rapidement possible. Et sinon, pour une longue conservation, le garder au froid. Donc, on est sur un biofongicide donc qui fait qu'il est utilisable, bien entendu, en agriculture biologique. Alors, avant de commencer à parler produits, on va parler de la maladie, sur les maladies sur lesquelles il est efficace. Donc, essentiellement deux types de sclérotinia qui sont responsables à 80-95% on va dire, des infections sur nos cultures cibles. Donc, alors, avant de commencer sur l'aspect cycle sclérotinia, c'était juste pour vous donner une idée à peu près de l'importance économique de cette maladie. Donc, c'est une maladie qui est majeure, hein, quels que soient finalement les pays au niveau mondial. Hein, ça touche énormément de cultures. Donc, par exemple, sur canola, juste pour vous donner une image, les pertes peuvent être extrêmement élevées. On estime à plus de 300 kilos par hectare par tranche de 10% de plantes contaminées. Donc, c'est énorme les pertes que ce pathogène peut engendrer. Et par exemple, une autre, pour chiffrer un peu ça, sur flageolet, on estime à plus de 7 millions de dollars par an de pertes au niveau mondial, rien que dû à cette maladie, donc sclérotinia, sclérotium, par rapport aux pertes causées par cette maladie. Alors,
Au niveau du cycle, donc sclérotinia-sclérotium, qui est, on va dire, le type de sclérotinia qui pose la majorité des problèmes sur nos cultures sensibles. Donc, c'est un sclérotinia qui va avoir deux voies de contamination. Donc, tout commence au niveau des sclérotes, donc, qui sont ces petits, comme des petits cailloux qui tiennent dans une main au niveau des sols. Donc, tout commence par là, qui est vraiment l'inoculum sur lequel l'Alstop contense va être efficace. Donc tout part de là. Donc c'est la forme hivernante la forme de conservation du sclérotinia. Donc au printemps, quand ces sclérotes vont rencontrer des températures favorables, elles vont germer, elles vont former un mycélium et la première voie de contamination va être le système racinaire. C'est-à-dire le mycélium qui va être formé depuis les sclérotes va toucher et contaminer au fur et à mesure le système racinaire, pour engendrer, si la contamination est forte, une mortalité complète de la plante. La deuxième voie de contamination de sclérotinia sclérotium, c'est par voie aérienne. Donc, ces sclérotes ont aussi la capacité à former ce qu'on appelle des apothécies, qui sont des sortes de conidiophores, qui vont contenir des conidies, des spores. Et ces spores vont, par voie aérienne, une fois qu'elles vont rencontrer les bonnes conditions de température et d'hygrométrie, par voie aérienne, par le vent, par la pluie, vont être expulsés et par voie aérienne contaminer toute la plante entière. Donc les organes généralement les plus sensibles sont les fleurs des cultures. Donc elles vont contaminer en priorité les fleurs, puis vont progresser au fur et à mesure vers les autres organes verts, type feuilles et tiges, et engendrer, de même que la première contamination, la mort de la plante par la suite. Ensuite, une fois que les plantes ont été atteintes, on va finir le cycle de sclérotinia, c'est-à-dire que les plantes vont reformer des sclérotes au sein des tiges. En général, tout se passe dans la tige. Donc, ces sclérotes, ces formes hivernantes vont se reformer dans la tige à la fin de la culture. Et une fois que les résidus de culture vont retomber au sol, on va réenchérir, pardon, les sclérotes, le sol en sclérotes. Par la suite. Donc voilà, et le cycle est terminé. Donc, voilà à peu près tout le cycle de contamination. Je vais vous passer tout à l'heure une petite vidéo qui va vous expliquer tout ça de manière très illustrée. Alors, le deuxième type de sclérotinia, alors qui affecte plus les cultures maraîchères, notamment la salade, qui est très sensible à ce sclérotinia, c'est sclérotinia minor. Donc, c'est un plus petit. On va dire les sclérotes sont beaucoup plus petites que sclérotinia sclérotium, qui sont des grosses sclérotes en général. Et la voie de contamination de sclérotinia minor est beaucoup plus simple. En général, c'est une contamination plutôt racinaire. Donc, tout part des sclérotes au niveau du sol, de la même manière que sclérotinia sclérotium. Et on va avoir une voie de contamination qui est la voie mycélienne. Donc, les sclérotes vont former un mycélium, contaminer le système racinaire jusqu'à la mortalité de la plante. On a très peu de contamination par voie aérienne, bien que ça peut arriver, ça s'est déjà vu, mais c'est très rare. La principale contamination, c'est par voie racinaire. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo très explicative et illustrative de mes propos. Voilà. Le sclérotinia, aussi appelé pourriture blanche, est une maladie grave des cultures causée par Sclerotinia sclerotiorum et Sclerotinia minor. Des espèces virulentes se conservent dans le sol sous la forme de sclérotes pendant plus de 10 années. Cet inoculum se reconstitue à chaque fois qu'une culture est contaminée. Le cycle de Sclerotinia sclerotiorum débute dans le sol et dévore la maladie. Au printemps, lorsque les conditions de température et d'humidité sont favorables, les sclérotes germent et forment un mycélium qui affecte le système racinaire des cultures sensibles. Les sclérotes forment des apothécies et émettent des mycélios qui, transportés par le vent et l'eau, contaminent les parties aériennes des cultures, en particulier les fleurs très sensibles aux pathogènes. Lorsque les conditions ambiantes sont favorables, les spores se forment et forment rapidement un vaste réseau mycélien qui envahit les organes aériens de la plante.
La pourriture blanche se propage, laissant apparaître des symptômes visibles de la maladie. De nouveaux sclérotes se forment dans les tiges, perturbant la circulation des flux de sève et le remplissage des grains. Des graves pertes de rendement sont constatées en cas de forte pression. Après récolte, les nouveaux sclérotes présents dans les lignes vont tomber au sol et alimenter un chine inoculant. Sclerotinia minor est une espèce dominante en culture maraîchère comme la salade. Ce pathogène ne produit habituellement pas d'apothecie et se limite à une contamination au niveau des racines, provoquant un envahissement progressif du pollen et un flétrissement des plantes. Parmi les cultures sensibles au sclerotinia, on retrouve le colza, le tournesol, le haricot et le pois. La pomme de terre et le soja peuvent être également contaminés. En plus, tu as la terre, à la bécu, à la carotte et l'endive sont particulièrement sensibles. La pour le sclérotinia s'appuie sur l'usage de méthodes prophylactiques en combinaison avec des produits de protection des plantes pour abaisser la pression parasitaire. Utilisation de variétés tolérantes à la maladie. Réduction de la présence d'humidité au sang. Raisonnement de la fertilisation favorable à une vigueur excessive. Allongement de la rotation des cultures hautes sensibles. Utilisation de l'Alstop Contense WG pour réduire progressivement la cesse de contamination. Donc voilà une petite vidéo qui permet de bien illustrer le cycle de sclérotinia. Alors au niveau des modes d'action, donc le champignon du L'Alstop contense, un mode d'action assez unique et principal, on va dire, qui est le parasitisme. Donc c'est par hyperparasitisme qu'il va en fait détruire les sclérotes de sol. Donc une fois qu'il a été pulvérisé et a touché les sclérotes, il va se développer sur les. Alors je vais prendre mon petit curseur. Voilà, il va se développer directement sur les sclérotes. Donc ici, vous voyez bien le mycélium blanc du conitorium qui est en train de se développer sur une sclérote et parasiter, on va dire, la sclérote. Voilà, donc comment se fait le parasitisme? Tout simplement, le conitorium, donc cette souche particulière de conitorium minitans, a une forte capacité à émettre des enzymes lytiques, dont la principale qui est la bêta-1,2,3-glucanase. Donc elle en émet énormément. Et le fait qu'elle le parasite correctement le sclérote, c'est que la sclérote est en général très riche en glucane. Et donc, ces enzymes lytiques vont permettre de détruire ces parois cellulaires riches en glucane grâce à ce parasitisme. Voilà. Donc, la destruction totale de la sclérote apparaît au bout de 6 à 12 semaines. Mais les sclérotes qui sont en cours d'infection ne peuvent en général pu émettre d'apothécie, donc ces organes de contamination aérienne. Donc on est déjà sur une sclérote partiellement détruite. Donc voilà à peu près sur le mode de contamination et d'éradication de la sclérote. Alors je vais vous repasser une toute petite vidéo. Alors c'est sur deux boîtes de pétri, vous allez voir. Sur la boîte de pétri gauche, on a une sclérote qui n'a pas été affectée par le contense. Et sur la boîte de pétri à droite, vous verrez une sclérote affectée par le contense qui, du coup, ne se développe pas ou vous ne verrez pas de mycélium. Donc, vous verrez bien la différence avec, on va dire, hop, dans les deux situations. Bon, voilà, donc à gauche, vous voyez bien en fait la sclérote qui est sur un milieu nutritif très riche et donc il va se développer, donc il va former un amas de mycélium très dense, hein, et sur un milieu dégué spécifique. Alors, c'est un agar qui change de couleur, donc et ça me permet de bien, on va dire, évaluer le côté vivant de la sclérote, pour la sclérote qui est bien
bien viable et qui se développe comme sur fond de blé, contrairement à la partie droite où la sclérote était complètement détruite par le conitorium. Donc voilà à peu près quelques photos aussi pour illustrer la différence entre une sclérote viable et une sclérote détruite. Donc quand on ouvre en fait une sclérote, quand elle est viable, on voit bien que le cœur reste bien blanc et donc qui donne une bonne indication de sa viabilité. Et une sclérote détruite, quand on ouvre le cœur, en général, tout le centre est noirci. Donc ça veut dire qu'on est face à une sclérote non viable et qui a été détruite. Alors, au niveau de la plage de température, donc le conitorium est un champignon qui est très tolérant vis-à-vis des températures. Donc, c'est un champignon qui se développe sur une plage de température très large. Donc, sa plage de développement va de 1 degré à plus de 27 degrés. Donc, voilà, on est vraiment sur une plage très très large. Donc, je parle de degrés Celsius. Et avec bien entendu un optimal qui va de 12 à 25 degrés, comme tout bon champignon. Alors, au-delà de ces températures, si on fait face à des températures négatives ou à l'inverse des températures excessives de 30, 35 degrés, voire plus, la mortalité en général faible. Certes, il y aura peu d'activité du champignon, mais les spores, comme c'est des spores qu'on apporte, elles vont se maintenir vivantes. Voilà. Donc on aura une viabilité qui va rester là. Elles ne se développeront pas, mais elles vont être peu affectées par les conditions de température. Et une fois que les conditions de température vont retrouver cette plage que je vous montre ici, le champignon va se redévelopper et commencer à faire son travail à de colonisation au niveau des sclérotes. Alors maintenant, on va parler des applications du produit, donc comment utiliser le produit, comment l'appliquer et des exemples d'applications dans les rotations. Donc sur grandes cultures, donc sur les cultures comme le canola ou le col ou les haricots ou les cultures industrielles, finalement, quelles que soient les cultures, on va appliquer soit le produit en pré-semis. Voilà, donc avant la culture, on va l'incorporer. Donc, je vais vous montrer après les différentes voies d'incorporation pour essayer de toucher donc les sclérotes qui sont historiquement présentes dans les premiers centimètres du sol. La deuxième possibilité d'application, c'est après la récolte, donc sur les résidus de culture. Alors, cette application, elle est très intéressante dans le cas où la culture donnée a été contaminée. Donc, si on a eu une contamination de sclérotinia, si cette culture-là a été affectée, automatiquement, elle va refabriquer, elle va relarguer des sclérotes au niveau des sols. Et donc, le fait d'appliquer le Contence sur les résidus de culture va permettre de parasiter, de détruire au maximum les sclérotes fraîches, pardon, qui ont été, on va dire, produites par cette culture contaminée. Donc, application très intéressante dans le cas de contamination de la culture, on va dire, précédente. Alors, la dose, dans le cadre de cultures comme le haricot ou canola ou soya, en général, on est sur des doses de 1 à 2 kilos. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des doses qui ne sont pas énormes, parce qu'on est face à sclérotinia sclerotium, qui sont des grosses sclérotes, donc on touche relativement facilement avec ces doses-là et on arrive à bien les détruire. Sur les résidus de culture, comme on vient concentrer le produit sur les sclérotes fraîches, on peut même encore plus abaisser les doses. Par contre, dans le cadre de cultures maraîchères, on est souvent face à sclérotinia sclerotium, mais on peut faire face à sclérotinia minor aussi. Donc, il y a un sclérotinia, on va dire, beaucoup plus petit, beaucoup plus difficile à toucher avec Contence. Dans ces cas-là, en général, on préconise des doses un peu plus hautes, qui vont de 2 à 4 kilos, selon les niveaux d'infection de la parcelle. Donc, plus on va monter, plus on va permettre de nettoyer plus rapidement aussi les premières couches du sol. Donc, on est sur des doses un peu plus fortes du fait qu'on est face à deux types de sclérotinia. Et pareil après la récolte, donc en général, 2 kilos hectares sont nos doses de recommandation pour pouvoir éradiquer au maximum ces sclérotes fraîches qui ont été produites par la culture. Alors, l'Alsop Contence, c'est un produit qui se pulvérise au niveau du sol. Hein, donc, la pulvérisation doit se faire avec un pulvérisateur classique au niveau du sol. Par contre, la recommandation, c'est de l'incorporer sur les premiers centimètres de sol.
Pourquoi? Parce que les sclérodes vont être localisées sur ces premiers centimètres, dans une profondeur entre 5 et 10 centimètres au niveau du sol. Et c'est là où il va falloir aller toucher les sclérodes. Donc l'application par pulvérisation se fait superficielle, donc on va le mettre vraiment au niveau de, on va dire, du sol en lui-même. Et après, l'idée, c'est de l'incorporer par, on va dire, différentes pratiques. Alors une pratique d'incorporation peut se faire en fait mécaniquement, c'est-à-dire lors de la préparation du lit de semence de la culture, donc une simple herse rotative ou des disques, on va dire, qui travaillent le sol de manière tout à fait superficielle sur les tout premiers centimètres, sont suffisants en fait pour incorporer le produit après pulvérisation. Parfois, on est face à des semoirs combinés, donc ils combinent une légère préparation du sol avec le semis. Ce qui peut être le cas par exemple en semis direct. Dans ce cas-là, ce type d'appareil suffit largement aussi pour incorporer du moment où le sol est légèrement travaillé sur ses tout premiers centimètres. Par contre, ce qui est à éviter, c'est d'appliquer le produit après un travail de sol profond. Donc, le produit devra toujours être appliqué et de s'assurer que le labour a été fait et que l'application produit se fait après. Donc, pas d'utilisation de charrue ou de dents, on va dire, après application du produit. Donc, toujours appliquer le produit après ce type de travail. Voilà. Une autre manière d'incorporer le produit, c'est la pluie ou les précipitations ou l'irrigation. Donc, l'eau, on va dire, de manière générale, est une bonne voie d'incorporation du produit. Donc, une fois qu'on a pulvérisé le produit sur le sol, soit une pluie est programmée suite à l'application, donc une quinzaine de millimètres d'eau suffisent à incorporer correctement le produit sur ces 5-10 premiers centimètres, ou dans le cadre d'une irrigation, par exemple en culture maraîchère où des systèmes d'irrigation sont installés, une irrigation peut être aussi un bon moyen de l'incorporer sur les tout premiers centimètres du sol. Dans le cadre d'une utilisation post-récolte, donc sur les résidus de culture, donc pareil, l'application, elle se fait par pulvérisation sur les résidus, une fois que, après la récolte, on va pulvériser le produit sur les résidus. Et ensuite, l'idée, c'est de broyer les résidus, donc avec un broyeur mécanique, de manière, en fait, à libérer les spores qui sont dans les tiges, dans les organes, on va dire, de la plante, à les libérer et à les mettre, en fait, en contact avec le conitorium, donc avec le champignon qu'on vient de pulvériser. Au niveau des résidus. Donc voilà, donc pulvérisation puis incorporation par broyage des résidus de culture mécaniquement. Alors au niveau du management des applications sur la rotation, là je vous ai mis un petit schéma résumant, on va dire, l'utilisation du produit dans le cadre d'une rotation. Donc c'est un exemple hein, d'utilisation de produit pour permettre, on va dire, une application régulière du produit dans la rotation et d'éradiquer au maximum toutes les sclérodes du sol et de tendre vers zéro, de tendre vers une éradication complète des sclérodes au niveau du sol. Donc le produit se positionne, alors, par exemple là en orange, vous avez les cultures sensibles. Et en vert, vous avez les cultures non sensibles. Donc, dans le cadre du rotation, en général, on alterne entre les cultures sensibles, les cultures non sensibles, qui peuvent être alternées plusieurs fois on va dire, dans une rotation. Et ensuite, on va revenir sur des cultures sensibles. Donc, sur une culture sensible, on va l'appliquer soit en pré-semis, donc aux doses que je vous ai indiquées tout à l'heure, soit on va dire aussi, on peut l'additionner à un positionnement en récolte si la culture a été contaminée. Donc voilà, on va faire ces applications-là sur une culture sensible. Quand on va arriver sur la rotation au niveau des cultures non sensibles, donc par exemple des céréales type blé, orge, qui ne sont pas sensibles aux sclérotinia, ça peut valoir le coup, si on est sur plusieurs années de culture non sensible, de quand même faire une application avant le semis d'une culture, de manière en fait à continuer à détruire les sclérotes historiquement présentes au niveau du sol et à continuer à graduellement, au fur et à mesure, à détruire cette source, ce volume d'inoculum qu'on a au niveau du sol. Donc une application, donc même sur une interculture, une culture non sensible, peut valoir le coup parce qu'on est toujours dans une phase de nettoyage du sol au niveau des sclérotes. Et ensuite, quand une culture sensible va revenir, et ben pareil, on peut réappliquer avant semis ou en post si la culture a été contaminée.
Donc l'idée, c'est d'essayer d'appliquer vraiment régulièrement dans la rotation le produit, l'idéal une fois par an, de manière en fait à détruire vraiment au fur et à mesure toutes les sclérotes du sol et à tendre vers le zéro au niveau des sclérotes. Donc pour les cultures maraîchères, le schéma est le même, bien que d'habitude on est sur des rotations entre deux cultures sensibles qui sont beaucoup plus courtes que par exemple sur les grandes cultures. Donc là, on peut se contenter à appliquer le produit sur les cultures uniquement sensibles, voilà, parce qu'en général, les rotations sont beaucoup plus courtes. Mais le schéma de positionnement est exactement le même, quelles que soient les cultures. Au niveau de la préparation du produit, donc c'est un produit WG qui se dissout relativement bien dans le pulvérisateur, dans l'eau. Notre recommandation de préparation, c'est de remplir à moitié le pulvérisateur d'eau, de mettre en place de l'agitation, donc de commencer à agiter la bouillie, de verser la quantité adéquate de produit qu'on veut utiliser par rapport à la surface. Donc, se référer aux doses, de toujours maintenir l'agitation, d'attendre, on va dire, que le produit soit bien dissous dans ce volume d'eau, et ensuite de compléter le reste du réservoir avec de l'eau de manière à le remplir complètement. Voilà. Voilà, donc du coup, essayer de le pulvériser, de vider son réservoir dans les heures ou les jours qui suivent. Au niveau compatibilité produit, donc on tient une table de compatibilité chez l'Allemand. On essaye de faire des tests de manière régulière avec, on va dire, des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, parce qu'on a énormément de demandes en fait sur le fait que de voir si ce produit-là est mélangeable avec des produits type herbicides, parce que souvent les applications pré-semis peuvent correspondre aussi à des applications d'herbicides. Donc on tient un tableau de compatibilité que l'Allemand ou votre distributeur tient à votre disposition et vous donnera les indications si le mélange est possible ou pas dans la cuve. Donc pour certains produits chimiques, il n'y a pas de souci, les mélanges sont possibles, pour d'autres non. Pourquoi? Parce que le produit peut affecter la viabilité du champignon. Donc si le test a été fait, on vous dira si oui ou non le mélange est possible. Voilà. Donc en résumé, le Contence est un produit pour lutter contre deux types virulents de sclérotinia, donc Sclerotinia sclerotium et Sclerotinia minor, et l'objectif étant de détruire et éradiquer les sclérotes, donc la source de la maladie, donc les sclérotes au niveau du sol, des sols infectés dans la rotation. Donc encore une fois, c'est les applications régulières au cours d'une rotation qui vont permettre d'éradiquer complètement les sclérotes du sol. Donc c'est un produit très efficace. On arrive à vraiment éliminer correctement toutes les sclérotes qui ont été touchées par le conitorium parce qu'il a une forte capacité à parasiter et à détruire donc toute cette source d'inoculum au niveau du sol. Donc voilà, donc notre représentant, c'est Frédéric Dubois sur le Québec et l'Ontario, il me semble. Voilà, et donc du coup, voici ses coordonnées. Donc n'hésitez pas à le contacter pour toute demande. Merci Mathieu. Évidemment, le produit est disponible chez UAP, donc je voulais les remercier aussi d'avoir partagé en grand nombre le webinaire. Maintenant, on a quelques questions dans le chat, mais merci Mathieu pour tes explications concises et assez claires. Donc, la première question, ça serait, est-ce que l'application de lisier ou de fumier affecte l'efficacité du Contence? Non, de sorte que c'est des matières organiques. Je vais dire au contraire, le conitorium se nourrit aussi de matières carbonées. Toute application d'origine organique ne va pas impacter la viabilité du Contence. Hein. C'est plutôt des matières d'origine minérale ou chimique pour lesquelles il faut faire attention. Mais dans ces cas-là, effectivement, on donne des indications au niveau compatibilité, quoi. Parfait, merci. Une autre question est, si on est en semis direct sans incorporation, qu'en est-il? Alors, ça dépend des typologies de semoirs. Il y a des semoirs ou même en semi-direct, en fait, ou lors de la
on va dire, qui va faire une tranchée, ou un type de semoir type air seedling, qui va faire une tranchée, donc qui va ouvrir un peu le sol pour injecter la graine. Mais on va dire le fait d'ouvrir le sol, ça va, quelque part, ça fait travailler les premiers centimètres de sol, donc c'est suffisant pour incorporer le podytorium, à condition qu'il ait été appliqué avant. Donc voilà, ça va dépendre du type de semoir, mais en général, si on a une ouverture, on va dire, du sol pour injecter la graine, c'est suffisant, on va dire, pour incorporer le produit. Ouais. D'accord. Une autre question également. En production biologique de soya, si je l'applique au printemps, juste avant le semis du soya, et que 3-4 jours plus tard, on passe le peigne, est-ce que l'efficacité sera la même? Oui. Il y aura 3-4 coups de peigne environ une fois par semaine, sarcleur par la suite. Oui, alors il faut nos recommandations d'incorporation, c'est une fois appliqué, c'est l'incorporer dans la semaine. Il va pas se détruire, on va dire, d'un coup de baguette magique. Hein, donc la viabilité, elle va être là, il n'y a pas de souci. Notre conseil, c'est vraiment, une fois appliqué, c'est dans la semaine qui suit, l'incorporer au niveau du sol. Donc effectivement, je ne sais pas, peigne, à quoi ça correspond, mais du moment que le sol est légèrement remué sur les 5-7 premiers centimètres, ça va être largement suffisant pour, on va dire, mettre les spores, répartir ces spores sur cette fine couche, on va dire, au niveau du sol, quoi. OK. Peut-être que ça serait l'opportunité aux participants de poser une dernière question avant la fin du webinaire. Mais en attendant, juste remercier tout le monde de votre participation aujourd'hui en grand nombre. On est très excités de pouvoir offrir ce produit-là maintenant. Merci vraiment pour vos questions, votre attention et votre participation. Je crois qu'on a une dernière question ou un pause. Mais est-ce que le fait de repasser plusieurs fois par la suite va nuire? Est-ce que le... Attends, pardon. Est-ce que le fait de repasser plusieurs fois par la suite va nuire? Donc, c'est un peu par rapport au lien avec la question sur les coups de peigne et plus le sarcleur par la suite. Non, du moment qu'on remue toujours la même couche, la couche superficielle, ça ne va pas nuire. Ce qui peut nuire, c'est si le travail va vraiment en profondeur, donc si j'utilise un outil qui va remuer des couches, on va dire plusieurs centimètres de couches, hein, donc 40, 50 centimètres de couches, donc là, type une charrue, donc un labour. Alors là, le risque, en fait, c'est d'enfuir notre champignon, donc l'alsop contens, donc le conitorium qu'on a appliqué, c'est de l'enfuir dans les couches profondes et pas du tout aller atteindre notre cible. Notre cible, c'est les sclérotes qui sont sur la toute première couche et c'est elles qui vont affecter la culture sensible à venir. Donc, si on l'incorpore dans les couches trop profondes, ben, il ne va pas être actif et il ne va pas faire son travail d'éradication des sphères, ouais. OK. Merci. L'autre question. Le produit n'est pas homologué en application foliaire post-floraison de la culture. Cependant, celui-ci a-t-il une efficacité comme un fongicide? Mais je pense que je peux y répondre en fait que non, et corrige-moi si je me trompe. Mais ce qu'on vise, comme tu as expliqué, c'est vraiment le stock de sclérote au sol et qu'on n'a pas vraiment d'impact sur le mycélium en tant que tel qui va sur les tiges et sur les feuilles. C'est exactement ça. Donc, vraiment, notre cible, c'est la source du sclérotinia. Donc, au sol, tout se passe au sol. Tout le cycle commence au sol. Et nous, on veut vraiment éradiquer cette source. C'est le seul produit qui permet vraiment d'éradication complète de la source du sclérotinia. Certes, les produits, on va dire, foliaires chimiques traditionnellement utilisés vont permettre de protéger la culture, d'éviter la contamination de l'année. Mais malheureusement, ne s'attaque pas à la source du problème qui se situe au niveau du sol, parce que tout part, vous l'avez compris, dans le cycle de sclérotinia au niveau du sol. Donc, dans les premières années, c'est très complémentaire. Hein. L'alsop contens, c'est complémentaire, on va dire, avec on va dire une protection foliaire, on va dire, chimique, dans le sens où, oui, ben, les premières années, il va falloir. On commence à éradiquer les sclérotes du sol, il y en a encore qui sont actives. Elles vont contaminer la culture, donc les produits phyto vont permettre de protéger la culture. Donc c'est complémentaire, mais une fois que, au bout de certain nombre d'années d'utilisation, on aura bien réduit notre inoculum du sol, ben, on peut commencer à voir différemment la protection chimique et à la rendre un peu plus light qu'avant. Voilà. OK, parfait.
Dans une autre question, quelle est la quantité d'eau que vous recommandez pour l'appliquer et quelle devrait être la pression des buses? Alors, pour la quantité d'eau, notre utilisation, enfin, une utilisation moyenne d'eau, c'est 200 litres à l'hectare. Alors, je parle litres-hectares. Hein, voilà. Donc, c'est, voilà, on va dire, on peut monter hein, les volumes d'eau. En dessous, il faut quand même une bonne répartition. Donc, c'est vraiment une pulvérisation en plein hein, qu'il faut voir, hein, parce qu'il faut toucher vraiment toutes les sclérotes partout, partout, partout. Donc, pas du tout d'application localisée. Donc, il faut vraiment faire son application en plein au niveau du sol. Et au niveau des buses, alors c'est un champignon qui est peu sensible à la pression. Donc la préco, c'est entre, tout dépend, on va dire, des pulvérisateurs, mais on peut facilement être entre 3 et 15-20 bars de pression. Voilà, c'est des choses totalement usuelles utilisées par les agriculteurs et pas de souci par rapport à ces pressions-là. Donc, pas trop de préoccupations à ce niveau-là. Parfait. Ah, et puis, une dernière question peut-être, mais y a-t-il une action de comptance sur les ascospores? Encore une fois, en foliaire, on ne sait pas, on n'a jamais appliqué en Ouais. foliaire, pas du tout l'objectif produit. Par contre, voilà, on sait, l'idéal, c'est l'appliquer le plus tôt possible en pré-semis pour, on va dire, toucher les sclérotes, les détruire au maximum, suffisamment tôt, etc., etc. On sait que si un mycélium se met à germer des sclérotes, il peut avoir un petit effet, on va dire aussi, du mycélium qui est en train de germer, donc un effet éradiquant du mycélium. On le sait, ça, voilà. Mais sur les ascospores qui sont projetés dans l'air, là, on n'a pas d'idée, vu qu'on ne l'a jamais utilisé en foliaire. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif produit, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un impact des applications fongicides chimiques en végétation? Est-ce qu'ils impactent la survie du champignon? Non, parce que ben, les applications chimiques, déjà, elles arrivent sur foliaire, donc pas au sol, mais même imaginons qu'elles soient lessivées au niveau du sol, donc quand elles vont ratterrir au niveau du sol par de la pluie ou parce que voilà, une partie est lessivée, etc., ça arrive tellement dilué au niveau du sol que ça n'a pas d'impact, quoi. La dilution est trop forte pour avoir un impact sur le conitorium. La seule chose où il faut faire attention, c'est si on veut mélanger un produit chimique avec l'alcyon fontance dans la cuve, où là on est face à des fortes concentrations. Là, un test de compatibilité est obligatoire, où on l'a dans notre tableau de compatibilité, donc, ou si on l'a pas, eh bien, il faut faire le test. Donc, n'hésitez pas à compter aussi vos besoins, parce qu'on peut faire les tests en interne. On préfère faire le test et vous donner une réponse en disant oui ou non. Bon, en général, on essaye de tenir ce tableau à jour, mais ça peut arriver qu'on n'ait pas fait encore un test, parce que des produits, on arrive plein chaque année sur le marché. Hein. Donc, du coup, il faut faire le test. Ouais. Mais la seule, voilà, indication, c'est attention lors du mélange dans la cuve, quoi. Mais sinon, non, il n'y a pas d'impact. Tout ce qui est fait en foliaire, c'est trop dilué quand ça arrive au niveau du sol. Okay, merci.